virtuosité. Alexei, il connaît un mot quand même de notre langue, c'est « bonjour ». Ce qui est extraordinaire dans la balalaïka, c'est que finalement, il n'y a que trois cordes. Et deux sont accordées sur la même note. Tu peux faire... Voilà. Le premier mi, en fait, est souvent utilisé comme bourdon. Il est répété sans cesse. Et les deux autres permettent toute la virtuosité qu'on vient de voir. J'ai aussi appris qu'il y avait toute une famille de balalaïka. La prima, c'est celle-ci. La segunda, l'alto, basse, contrebasse. Il y a même des orchestres entiers de balalaïka. Et encore une fois, ce qui me semble tout à fait extraordinaire, c'est toute l'invention qu'a Alexei avec cet instrument qui paraît... tellement peu de choses. Alors, il y a quand même des techniques très traditionnelles. Déjà, celle du balayage. Alors, je crois qu'en russe, on dit... Бряцанье. 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 Bravo, Alexei. Je me demande si je ne vais pas l'engager pour un quiz. Il nous fait presque un contre-quiz. Parce que c'est un thème classique, ça. C'était... Tchaïkovski. Tchaïkovski, le premier concerto pour piano. Alors, la technique de flageolet ou d'harmonique, c'est-à-dire comme au violon, c'est son très aigu, très fin. Que si Beethoven avait parlé comme ça à Élise, elle aurait cédé naturellement. Il y a une technique qui est étrange parce que les joueurs de balalaïka la nomment pizzicato. Or, évidemment, pizzicato, normalement, chez les cordes, les instruments à cordes, les violons, les violoncelles, c'est fait de pincer la corde. Là, on a envie de dire, ils en font tout le temps des pizzicato. Oui, mais comme ils bloquent le son en même temps, ça ressemble à un pizzicato de violon et de violoncelle. Et voici pizzicato. Ce que donne pizzicato. Pizzicato. Voilà, ça c'était un petit bout du 24e caprice de Paganini en pizzicato. Alors il y a aussi le trémolo, ça c'est même la spécialité de l'instrument. Le lac des cygnes de Tchaïkovski. Enfin, dernière technique dans les techniques vraiment les plus usuelles, le... Vibrato. Vibrato. Alors, je suis bien embêté parce que là, on ne peut vraiment pas dire ce que c'est parce que c'est un des thèmes du dernier quiz. Donc, mystère et boule de com. Moi, il y a une question que je me suis posée et que j'ai posée à Alexei. Pourquoi il y a en Russie cet amour des instruments à cordes pincées? Et la théorie d'Alexei, c'est de se référer à la théorie des cordes, la théorie des astrophysiciens, et peut-être qu'ils sont plus comme ça dans les étoiles. Eh bien, Alexei, je te propose maintenant d'improviser sur les étoiles.
Alexey Arkhipovski, merci beaucoup, à très bientôt. Merci.